Et 3, et 2, et 1, et... Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien, en tout cas j'espère que tu vas mieux que nous. Nous sommes malades, nous avons Mais ça va aller. Nous avons le Covid, c'est une des raisons pour lesquelles nous allons faire un live assez rapide, plus court, pas trop long, pour pouvoir aller se couler. Alors moi ça va mieux, mais c'est elle qui commence. Mais là. Moi ça va très bien, elle est juste, ça lui fait plaisir qu'elle ne soit pas la seule à souffrir. J'espère que tu vas bien, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un commentaire sur la vidéo si ça te plaît, parce que ça aide énormément, sonne la petite cloche aussi si t'as envie d'être alerté de mes nouvelles vidéos, et n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo qui t'emmène sur Twitch où nous sommes actuellement en train de faire cette vidéo par là, en direct, oui c'est là-bas Twitch, et où nous sommes en train de faire cette vidéo en direct avec tous les gens là dans le chat qui nous parlent, avec qui on échange. Salut Goldust, j'espère que tu vas bien, merci pour ton abonnement et ton soutien à la chaîne. Et c'est aussi là-bas que vous pouvez soutenir la chaîne, sachant que aller juste sur Twitch, ça ne coûte rien, c'est vous abonner qui coûterait des sous, mais suivre la chaîne, c'est comme sur YouTube, suivre la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte pas un centime. Mais si vous avez Amazon Prime, dans votre compte Amazon Prime, vous avez un abonnement Twitch compris, profitez-en, venez le dépenser chez moi. Aujourd'hui, ce soir, nous allons jouer à Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes environ, et à partir de 8 ans, de Grégory Grard et Mathieu Verdier, illustré par Maude Briand et David Sidbon. Alors, plein de choses à dire sur tous ces gens. Premièrement, Grégory Grard et Mathieu Verdier, on les connaît pour d'autres jeux. Mathieu Verdier, vous le connaissez pour un jeu qui n'est pas du tout du même format, du même volume. Parce que là, on est sur quelque chose de très familial, très accessible, assez court. Mathieu Verdier, c'est une des moitiés, l'auteur de Fédération. Ah oui. Ah là là, j'ai bien aimé la réaction. Mais pour le coup, on est à l'opposé du spectre. On est avec Fédération sur un jeu extrêmement expert. Je l'avais expliqué dans l'émission de Track. Un jeu expert, fait par des experts, pour des experts. C'était un poil trop expert pour nous, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'était, pour moi, j'appelle ça les jeux extrêmes. Les jeux de l'extrême, c'est des jeux où tu voilà, bon, tu t'accroches. Mais c'était quand même... jeu. Je vais pas faire la critique de Fédération, mais moi, il n'y avait pas... c'était dur juste pour être dur, sans aucune satisfaction. Oui, alors, ça venait en partie, je pense, de son thème, qui était très, très plaqué. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs parties, et ça m'a fait la même chose à toutes les parties. Il y a un moment, tu dépasses le thème, tu vois. D'accord. Bah moi, j'étais pas au point où t'en es toi. Je trouvais ça un peu trop, un peu too much. J'aurais préféré un thème historique, mais ça me plaisait bien. Mais on n'est pas sur Fédération, là. Non, mais je sais, c'est pour ça. Tu m'as regardé en me disant « Ah là là !» Et je t'ai dit « Non, mais je veux pas faire une critique de Fédération. Gagner du temps !» Voilà. Donc, il revient donc là avec Grégory Grard, qui est l'auteur de petits jeux, comme Tribunal 1920 ou Mot Malin, qui est le plus connu des deux. Et c'est une association un peu inattendue, pour un format un peu inattendu. C'est illustré par David Sidbon, qui est l'illustrateur habituel de Sorry We Are French. C'est un jeu édité chez Sorry We Are French. T'as mais... checké quand même au cas. Bah ouais, bah ça... Et pour l'instant, tout est logique. Mais c'est une association inattendue pour un jeu qui, vous verrez à la fin, moi j'y ai déjà joué, Marjo y a déjà joué, beaucoup de gens y ont déjà joué autour de moi, et on est déjà plutôt assez positif. Et donc, j'avais très, très envie de vous le montrer parce que c'est un petit live assez simple à faire et qui vous permet de voir ce jeu en avant-première. Il doit sortir. Je vais aller voir ça tout de suite parce que, alors, si je fais commande prix dans le chat, normalement, vous avez le lien qui vous emmène sur le site de Ludum pour acheter avec mon lien d'affilié si vous voulez acheter le jeu. Et ça annonce la sortie. La sortie, c'est le 9 juin. Voilà, ça sort le 9 juin dans toutes vos crèmeries, au prix sur le site de Ludum de 34,90€, enfin 34,90€, et 3490, ça fait et cher. Si vous avez le pass Ludovore, c'est 31,41€, c'est super le pass Ludovore, mais bien sûr, sachant que le pass Ludovore, si vous l'achetez avec mon lien d'affiliation, il vous suffit de faire commande Ludum dans le chat, si vous l'achetez avec mon lien d'affiliation, eh bien, vous pouvez soutenir ma chaîne. Ça vous fait pas de promo. Vous payez le même prix. Mais moi, ça me fait un gros soutien sur la chaîne. Il paye pas plus cher non plus, quoi.
Ils payent pas plus cher non plus, bien sûr. Et au contraire, vous payez moins cher. Le lien d'affiliation est dans la description de la vidéo YouTube. Sur ce, première chose, le matériel. Ah, ça, c'est énorme. Le matériel, la première chose que je voulais... C'est un moustique. Hein. Là, j'ai failli l'avoir. Normalement, je les attrape, moi. Je les attrape comme ça. Mais elle les aime pas. La première chose, c'est le matériel. Est-ce qu'on peut rester focus? Oui. La première chose, c'est le matériel. Et vraiment... Hop là. Non. La première chose, c'est le matériel. Et vraiment, c'est très, 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 très joli. Et à l'intérieur aussi, il y a des petits dessins, ça compte. Mais moi, j'aime bien. Ouais, il y a des dessins à l'intérieur aussi, voilà, comme ça. C'est très joli et très bien illustré. Mais surtout, surtout, que c'est beau. Alors, je vous emmène sur le plateau pour que vous voyez. Alors, plusieurs choses. Premièrement, il y a un appendice dans la boîte qui vous explique tout le voyage du Beagle de Darwin. qui vous explique tous les animaux qu'on rencontre et par continent, ce que je trouve, moi c'est le genre de détail avec un très joli papier, ça c'est le genre de détail que j'adore, il y a les règles bien sûr, vous avez le matériel, mais ce que je voulais que vous voyez surtout c'est ce qu'on voit quand on ouvre la boîte, parce que quand on ouvre la boîte, on a ça ici, qu'est-ce que c'est ? C'est les plateaux joueurs, et les plateaux joueurs ils se présentent sous forme de calepins. Ouais, j'avoue, ils sont magnifiques, les plateaux. Et ils sont absolument magnifiques. Et quand vous donnez un plateau joueur, vous donnez un plateau joueur comme ça, et la personne va déployer son plateau devant elle. Et ce qui est fou, c'est que c'est beau être plié et tout, ça ne gondole pas. Pour l'instant, c'est impeccable. Hop. Et ça dure, hein, parce que moi, je me rappelle que j'y ai joué à Cannes, donc sur un jeu qui avait été beaucoup joué, et c'était tout pareil, hein. Là, moi je suis absolument fan de ce truc-là. Le plateau central se présente exactement de la même façon. On peut le plier et derrière, il y a une map monde. Le fond de la boîte... Il est... Du coup, vu que tu te concentres sur autre chose, je fais juste un coucou à Barik, parce que Barik est arrivé. Oui, j'ai vu, j'ai voulu lui faire un coucou. Ah non, ça c'est le fond du plateau. Ouais. Ah, c'est joli quand coucou, même. Coucou, mais je l'ai déjà vu aujourd'hui, Barik, pendant le live. Et donc là, vous avez le réceptacle avec toutes les tuiles et un joli sachet aussi pour ranger... Ah tiens, il en restait deux. J'avais pas vu. Je vais le mettre sur le plateau. Hop, voilà. Donc, au point de vue matériel, déjà, franchement, c'est un 10 sur 10. Le matériel, il est vraiment, vraiment magnifique. Et il donne vraiment envie de jouer. Donc, ça, c'était la petite parenthèse sur le matériel. Et maintenant, on va aller sur le jeu. Lui-même et la règle. Merci beaucoup à Mocha Noir pour les 200 bits. Merci beaucoup à Ririku et à vous tous. Hein, vous êtes dans le chat. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit merci à Ririku. C'était merci à l'utilisateur anonyme qui a offert un abonnement à Arcane de Rien. Salut Anonymous. Je ne sais pas si c'est toi, mais on te fait des bisous. Allez, là, on est des super naturalistes avec du beau matos qui dit Doran. Et c'est tout à fait ça. Dans ce jeu, Brenda aussi, je crois, vous allez jouer... Salut Brenda. Vous allez jouer des naturalistes. Alors, j'ai pas regardé exactement. Je vais pas mentir, j'ai pas regardé. Alors, on a encore un petit truc historique au début de la règle. Moi, j'adore ce genre de détails. Donc, le thème du jeu. Nous sommes des naturalistes. On embarque sur le Beagle. Le Beagle, c'est ce bateau. Hop. Ce petit bateau. Si c'est... Ça aussi, hein, il est hyper joli, le meeple en bois. Ça a l'air de rien, mais il est super... Enfin, je sais pas, il est vraiment très très joli. Tout est agréable à manipuler. Pour aider Charles Darwin à terminer la rédaction de son livre de l'origine des espèces. Au cours de ce voyage, vous étudierez des animaux, effectuerez des relevés cartographiques, rédigerez des publications et vérifierez vos théories. Alors en fait, on va étudier... Je vous le refais. On va étudier des animaux. Donc on va récupérer des tuiles qu'on va mettre ensuite sur nos plateaux personnels. On va effectuer des relevés cartographiques. Ça va être avec les petites... sur les tuiles elles-mêmes. Et on va rédiger des publications. Ça, c'est ça. Et en fait, c'est des objectifs à remplir pour vérifier vos théories. Alors, les théories, je ne sais pas trop. Ça, c'est autre chose. Bah, il doit y avoir écrit là des théories. Oui. Non, je crois que ça, c'est les publications. Ah non, les publications, c'est ça. Ouais, t'as raison. C'est ce qui se passe. C'est les publications, c'est ce qui est sur notre cahier. Donc, c'est ça. C'est les théories. C'est tout à fait ça. Et le but, c'est de marquer le plus de points de victoire. Les points de victoire, c'est ce qui est écrit à chaque fois dans des petites palmes rouges. Voilà. Ouais. Petit laurier rouge. Donc ça, c'est le symbole de points de fin de partie.
Au niveau de la mise en place, on a donc deux plateaux joueurs. On a déjà un petit objectif, enfin, c'est des tuiles de scoring de fin de partie. On en a déjà une de départ, et bien sûr, nous n'avons pas la même, ni Marjo et moi. Hop, et vous avez le Beagle qui va se balader autour du plateau central, et ça, on va vous expliquer d'autres théories et d'autres façons de scorer qu'on va pouvoir récupérer, et d'autres jetons qui vont vous être expliqués dans quelques instants. On rentre dans le cœur, le dur de la guerre. Comment joue-t-on ? À son tour de jeu, en commençant par la personne qui possède le pion Darwin. Pour l'instant, c'est moi, je suis première joueuse. Désolée de crier un petit peu, je ne sais pas si c'est pas trop fort dans vos oreilles, n'hésitez pas à me le dire. J'ai compris que le bateau s'appelait Beagle, mais alors 10 minutes plus tard, la blague n'est plus... Parce qu'elle a dit c'est un chien, et quelqu'un a dit mais qui est un chien ? Et elle a mis du temps à expliquer, donc oui, c'était hyper drôle à la base. Du coup, elle dit wouf. Donc, nous avons... Donc, elle voulait être sympa et a dit j'ai quand même ri. Le joueur qui a le jeton Darwin est le joueur qui va jouer en premier, et on peut récupérer le jeton Darwin, bien sûr, et on va jouer à tour de rôle. À son tour, un joueur va pouvoir soit étudier un animal ou s'inspirer d'un personnage. Alors là, j'ai pas d'exemple, mais... Voilà, tiens. Hop, on va en mettre un là, comme ça, ça sera mieux. On va mettre un personnage ici. ça c'est des personnages, il y a des tuiles personnages et des tuiles animaux, et nous pourrons soit aller étudier un personnage, enfin soit aller étudier un animal, soit aller s'inspirer d'un personnage. Dans les deux cas, ça veut dire prendre la tuile et la mettre sur son propre plateau. Et la deuxième option, enfin la deuxième chose qu'on va faire à son tour, c'est-à-dire que on va d'abord soit étudier un animal, soit prendre un personnage, et la deuxième chose c'est qu'on va avancer le Beagle autour du plateau. C'est tout simple. Alors à son tour, donc, alors la partie se termine quand on a 12 tuiles sur notre... que tous les naturalistes ont placé 12 tuiles sur leur plateau, c'est-à-dire 3 x 4, 12, on ne remplira pas toutes les cases, puisque nous avons 16 cases disponibles. Ici, là, on a 33 tuiles, c'est-à-dire que c'est une partie de joueurs. On n'a pas 16 cases. À 4 x 4, hein. 4 x 4, 16, et... Ça, c'est les naturalistes. Oui. Et là, c'est... Ah oui, et t'as raison. C'est 12 cases en tout. 12 cases en tout, t'as raison. Ça comprend également les naturalistes. Donc, effectivement. Alors, quand on va étudier un animal, on va aller prendre à son tour, on va aller étudier un animal, on prend une tuile animale, on la pose. Hop. On va la poser exactement là où son petit symbole, parce que les tuiles animaux... j'ai pas de zoom plus fort, mais je pense que vous voyez quand même bien. Il y a des couleurs, de toute façon. On peut les décrire comme suit, c'est-à-dire qu'elles ont ici la classe de l'animal. Ça peut être arthropode, mammifère, oiseau ou reptile. Ici, nous avons un reptile. Nous avons son nom, en haut à droite, et le continent dans lequel on peut le retrouver. Ici, c'est le continent asiatique. C'est le grand continent. Rouge. Ouais, le rouge. Le bonus, ça c'est ici, on peut avoir un bonus quand on étudie un animal, mais là il n'y en a pas. Enfin, il peut y en avoir des deux côtés. Donc là, voilà, si c'est là, c'est le bonus quand on étudie un animal, c'est ça. Et le symbole d'un animal emblématique, mais là il n'en a pas. Ici il y en a un par exemple. Vous avez... Tu prends Darwin, c'est ça ? Ça c'est que effectivement tu récupères Darwin. Là par exemple, le bonus c'est des points. Alors oui, quand on étudie un animal, on va le poser exactement. Par exemple, ici j'ai un coléoptère jaune. Voilà, un arthropode jaune, et ben je vais le mettre sur la case où il y a un arthropode jaune. C'est aussi simple que ça, hein. Ça va pas plus loin. Et je vais récupérer tout de suite le bonus qui est sur la tuile. Il faut savoir que si je récupérais plus tard un deuxième arthropode jaune, je pourrais, ben là c'en est pas un, mais je pourrais le mettre par-dessus. Par-dessus. Je perdrais alors les points qui sont en dessous. Par contre, je gagnerai le bonus de la tuile qui est au-dessus. Ça peut être intéressant de faire ça avec certains effets plutôt que d'autres. Essayer de ne pas perdre de points, par exemple, et de plutôt mettre l'effet... Sachant qu'on n'en met que 12, quoi. Donc, oui. Déjà, on va avoir des tuiles vides. Oui, ça peut aller vite. Donc, les premiers bonus qu'on peut récupérer, on l'a vu, je mets mon arthropode, et là, j'aurai 2 points en fin de partie. Ça, c'est du point brut. Est-ce que vous voyez bien ? N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas bien, mais je pense que vous voyez bien. Nous avons là le bonus cartographié. Par exemple, je pose celui-ci. Là, j'ai un petit plan. Et le bonus cartographié, ça sera que cette tuile me rapportera autant de points que de boussole. Et les boussoles, c'est ça.
que j'aurai en ma possession à la fin de la partie. Les boussoles, on les met ici. Mais comment récupère-t-on ces boussoles, me direz-vous? Eh bien, avec un autre bonus. Sur cette tuile ici, par exemple, qui est un mammifère jaune, mammifère d'Afrique, je poserai le lion ici, j'aurai récupéré une tuile boussole. Donc, enfin, un jeton boussole. Donc, le jeton boussole, je l'aurais mis ici. Je ne peux pas en avoir plus de 5 pendant la partie. Si je devais en avoir une sixième, je peux étudier l'animal, je peux le poser, mais je ne récupère pas de boussole. Ouais. Et c'est rappelé ici, comme vous pouvez le voir, toutes les tuiles avec ce symbole-là sont comptabilisées séparément les unes des autres. C'est-à-dire que si j'en avais deux et que j'avais deux boussoles, avec deux tuiles comme ça, chaque tuile comportant ce symbole me rapporterait 2 points, donc j'aurais 4 points. Ok. Un des derniers symboles, c'est par exemple, alors ici c'est sur un personnage. Alors si je récupère, ouais, mais alors ça m'embête parce que je voulais pas y aller, mais c'est pas grave, on va faire ça. Donc l'autre option, qui est au lieu d'étudier un animal, c'est de s'inspirer d'un personnage. Quand on prend un personnage, on va le placer ici, dans une de ces 3 cases. On peut pas en avoir plus que 3. Non. Voilà. Et quand on prend un personnage comme ça, on récupère également les bonus. Ici, par exemple, il me donne une boussole. Et il me donne aussi engager un guide. Donc ça, engager un guide, c'est ce petit symbole ici, en forme de petite, on va dire, de petit médaillon de personnage. J'en ai déjà un au départ, j'en gagnerai un, je pourrais mettre le deuxième. Je ne peux pas en avoir plus. On va voir juste après à quoi ils servent. Le dernier symbole qu'on n'a pas vu, c'est le symbole emblématique, mais on l'a déjà plus ou moins expliqué. Si je pose une tuile et que j'ai un symbole emblématique, eh bien, je récupère le jeton Darwin, et ça sera moi qui marquerai, parce que le jeton Darwin, en fin de partie, rapporte 2 points de victoire. C'est spécifié ici. Donc ça, c'est juste pour récupérer les 2 points. Donc là, vous avez la description de tous les bonus. Des points immédiats, récupérer une boussole, récupérer un jeton guild, scorer toutes les boussoles à la fin de la partie et le symbole emblématique. Hop. Avec les personnages, donc c'est exactement la même chose, et ça on l'a vu, et les actions spéciales. Les actions spéciales, ça va être d'utiliser un guide. Et utiliser un guide, vous avez 2 actions spéciales que vous pouvez faire. La première, c'est de reculer ou d'avancer le beagle avant d'une case. Ah oui, parce que j'ai pas dit une information quand même primordiale. Ouais. Bah oui, enfin, ouais, me dit-elle. Ouais, elle aurait pu réagir avant. Déjà, à ton tour, t'as une action obligatoire, c'est de prendre une tuile. À ton tour, oui. Ouais. Bah oui, ça je l'ai dit. Voilà. Mais on prend pas n'importe quelle tuile. Mais on prend... Bah oui, mais pourquoi tu l'as pas dit? Bah j'attends... Ah non, parce qu'à chaque fois que je te corrige, je me fais engueuler. Non. Alors, quand je la prends, je me fais engueuler. On prend une tuile, mais on la prend pas de n'importe où. C'est très important. On la prend de devant le bateau, là où il se situe, dans la ligne ou dans la colonne devant laquelle il se situe. Donc là, ça serait dans cette colonne-là, je pourrais choisir une tuile. Je prendrais celle-ci, par exemple, que j'irais placer sur mon plateau. Comme suit. Elle est là, maintenant. J'appliquerai son bonus, bon là en l'occurrence j'aurai 2 points de fin de partie, je récupérerai le jeton, et en fin de mon tour, je vais devoir faire voyager le beagle. On va bouger le beagle d'autant de cases que l'espace dans lequel j'ai pris la tuile, c'est-à-dire qu'ici j'ai fait 1, 2, 3, j'ai pris la tuile ici, je vais donc avancer le bateau de 1, 2, 3, et l'arrêter ici. Marjorie va pouvoir choisir dans cette ligne à son tour. Sauf si elle utilise, et nous y revenons, on était il y a 2 secondes dans l'explication des jetons comme ça. Guide. Si elle utilisait un jeton guide, elle aurait la possibilité de reculer de 1 ou d'avancer de 1 le bateau au début de son tour. C'est-à-dire qu'elle pourrait dire, eh ben, j'utilise un jeton guide pour me mettre là et prendre cette tuile-là, par exemple. Si ça l'arrange beaucoup plus, parce qu'elle a envie du lama, ce que je comprends. L'autre chose qu'elle peut faire avec son jeton guide... Et l'autre chose qu'on peut faire avec les jetons guides, c'est d'en défausser un pour défausser toutes les tuiles qui sont devant le beagle, les remettre en pile sous une des piles de pioche et remettre 3 tuiles nouvelles. Ça permet d'avoir un choix quand même assez conséquent si jamais on est un peu bloqué. Donc voilà, ça c'était vrai que c'était important. J'ai dit qu'il fallait prendre une tuile, mais j'ai pas dit d'où, alors que c'est quand même le cœur du jeu. Il faut prendre la tuile
de la ligne ou de la colonne devant laquelle on se situe. C'est toujours chiant quand on oublie un point de règle comme ça, où tu te dis, c'est quand même majeur, j'aurais dû le dire, je vais pas tout recommencer. Mais non, mais après, les gens vont bien s'en rendre compte quand on joue. Tu fais pas une vidéo règle, en fait. Ouais, c'est chiant. Mais enfin, bon, il n'y a pas d'erreur, puisqu'on le redit. Mais simplement, c'est quand même chiant. Lorsque nous recouvrons une tuile, hop, je peux pas le faire parce que j'ai pas deux fois le même symbole. Mais si j'avais deux fois le même symbole sur une tuile, deux oiseaux ou deux... Que ce soit absolument les mêmes, c'est-à-dire deux oiseaux rouges ou deux oiseaux bleus. Voilà, c'est pour ça que je cherche pour que ça soit... Non, mais c'est pas grave, on a compris, t'avais deux oiseaux. Admettons que t'as mis deux oiseaux rouges l'un sur l'autre. Voilà, admettons que là j'ai un deuxième oiseau rouge et non pas un scarabée jaune. Qui se place par-dessus. À partir du moment où je mets une tuile sur une autre tuile, on dit que je peux élaborer une nouvelle théorie. Alors, je vais perdre forcément les bonus de la tuile d'en dessous s'il y en avait. Par contre, je vais gagner une nouvelle théorie que je vais pouvoir aller choisir ici, parmi celles qui sont face ouverte ou une face cachée. C'est ça tout l'intérêt du truc, effectivement. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est des nouvelles façons de scorer. Par exemple, ici, ça me dit un point par... carré recouvert par zone de 4. Alors il faut que je vérifie, soit c'est par tuile dans cette zone de 4, soit c'est par zone de 4. Je pense que c'est par tuile dans cette zone de 4, parce que les trucs te font pas scorer beaucoup là, plus écoute, que 4. Hein. Là c'est un point pour chaque animal étudié dans la zone en bas à droite. Ouais, voilà, donc ça serait un point. En gros, les théorèmes... Ça c'est un point pour chaque tuile d'Amérique, ça c'est un point pour chaque tuile d'Afrique. Okay. Et donc ça, en fait, c'est des façons de scorer en fin de partie. La dernière chose qu'on va préciser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait toute une ligne ou toute une colonne sur son tableau. Eh bien, à un moment, je peux faire une ligne complète ou une colonne complète de tuiles sur mon tableau personnel. Eh bien, à ce moment-là, on dit que je rédige une publication. Je récupère un jeton publication qui sont ceux-ci sur le plateau. Peu importe le dessin, ça revient au même tous, et je le mets ici. C'est 5 points bruts. En gros, chaque ligne et chaque colonne vont rapporter... Attends, pardon, j'ai pas suivi, c'est quand que tu fais ça? Quand tu as recouvert les quatre emplacements d'un écosystème d'une classe. Tu prends parce que 5 ça, points. C'est un écosystème. Enfin, ça, oui, c'est un écosystème, et ça, c'est chaque une classe. Chaque ligne est un écosystème. Voilà. Là, on joue jusqu'à ce que les deux joueurs aient 12 tuiles dans leur plateau, et à ce moment-là, on déclenche la fin de partie. Ouais. Alors, Barik, juste, c'est les emplacements qui sont recouverts par des tuiles, donc peu importe que tu en aies une ou 15, ça te fait un point par emplacement recouvert. Alors je vais vérifier ça non, tout non, de suite. C'est sûr. Y compris ceux que vous avez recouverts, donc non, elle a raison. T'as dit... Alors vas-y, répète la phrase. C'est marquer un PV pour chaque animal étudié dans la zone en bas à droite de votre carnet, y compris ceux que vous avez recouverts. Ça veut dire que si t'as deux tuiles... J'ai beaucoup aimé le nom, ça c'est sûr. Bah non, mais parce que tous les trucs font à peu près 4. Oui, mais ouais, mais c'est cool parce que ça permet de faire plus, mais c'est pas si simple hein, de recouvrir. Donc, Peut-être que pour les autres aussi. On marque des points de victoire. À ce moment-là, on fait le décompte des points de victoire quand on a tout réuni. Donc d'abord, on récupère tous les PV bruts qui sont rouges comme ça. Ensuite, on va multiplier les boussoles par les cartes. Pour avoir le score de cartographie, nous mettons 5 points par publication rédigée, on regarde les théories et on les score. Par exemple, là, moi, j'aurais 1 point par reptile. Mais alors, et enfin... visible ou pas visible? Ah bah ça peut jamais être pas visible. Ah, les reptiles, il faut qu'ils soient visibles. Okay. T'es sûre de ça? Ça, par contre, oui. Ça, c'est oui, puisque quand tu recouvres, tu... Mais de toute façon, je vais aller vérifier si tu veux, mais ça me paraît... Vas-y, du coup, t'étais dans les PV. Non, tu vois, regarde, un point pour chaque animal d'Afrique, soit 6 PV par animal emblématique visible. Attends, c'est... Là, il faudra vérifier, mais là, par exemple, avec une des tuiles dans l'exemple, eh ben, il marque 6 points parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, tu vois. Donc non, ça marche aussi. Là, ça serait... Par contre, les reptiles, il faut aller vérifier à chaque fois, maintenant. Ouais. Il va falloir vérifier que c'est bien visible ou pas visible. Y compris ceux que vous avez recouverts. Donc à chaque fois, il spécifie bien, donc on ne peut pas se tromper. Et bien sûr, le point de Darwin. Et voilà, on a fait toutes les règles, il ne nous reste plus qu'à jouer la partie.
Hop, je propose que tu commences. Alors, je regarde juste vite fait. Donc, nous avons sur mon plateau, j'ai deux guides, ça va pas du tout. On commence avec le petit bateau ici. Moi, je score les lézards et les reptiles. Et ici, on a Amérique, Afrique et la zone en bas à droite. Ok. Et là, j'ai le choix ici. Ok. Eh ben, je vais prendre... T'as un guide hein, dès le départ, donc tu pourrais très bien ne pas te sentir bloqué. Non, non, mais je te le dis. Bah, je me sens pas bloqué là. Il y a un moment, j'en aurais sûrement besoin. C'est dommage. Merci beaucoup pour les bits. Merci infiniment, Plume Bavarde. Eh ben, je vais prendre, moi, le toucan à Karen. Okay. Pour prendre une boussole. Hop. Et voilà. Donc tu déplaces. J'avance de 1 et je remplace la tuile. Voilà. Oui, ça j'avais pas spécifié, mais effectivement, on remplace la tuile dès qu'elle est prise, que ce soit la tuile de scoring ou la tuile du plateau. Bon, bah, moi ça mange pas du tout ce qu'elle m'a fait. Bah, du coup, je vais prendre du lama. Un peu sombre, je vais éclairer un peu le plateau. Que je mets là. On voit que j'ai un pantalon de pyjama. Mais je suis malade, donc je m'en fous. Hop. C'est un peu plus clair. Ah, toi. Bah, c'est pas mal ça que tu m'as mis. Ah oui, c'est pas passionnant. Oui, c'est pas passionnant. C'est nul le raton laveur. Ça fait la ligne, mais c'est nul. Mais prends le reptile. Bah, le reptile, oui, mais. Ok. Enfin, non, t'es pas obligé, mais c'est le truc qui te score. Je prends le reptile, j'avance de 3. 1, 2, 3. Ah oui, c'est vrai. Putain. Je score. Mais non, mais merci. Hein. Oh, je suis pas en pleine forme. Voilà, très bien. Ben, on va faire ça alors. Hein. Écoutez, moi, je vais prendre ce truc-là. Qu'un koala. Je savais que ça te ferait plaisir. T'avances de 2. Ah. Des gens. Ouais, des gens. Lui, il amène une boussole. Ouais, putain, lui, il amène 4 points. Ah, il est bien, Robert McCormick. 4 points et un guide, il amène le garçon. Si je prends lui, 1, 2, 3, je te l'offre. Hein. Si je prends lui, je te l'offre aussi. Il faudrait que je prenne ça. J'en ai rien là, à c'est foutre. C'est vraiment pour me bloquer, quoi. Mais en fait, c'est le truc que j'aime bien dans mais ce jeu. Vas-y, c'est qu'il y a la possibilité. De toute façon, j'ai un guide. Hein. Mais oui, donc non, je vais prendre lui. Ah, c'est nul, il rapporte aucun point. Mais ne prends si, si, je prends ça et je prends une boussole. J'ai envie de prendre des boussoles. Ok. J'ai envie de prendre des boussoles. Mais du coup, tu te déplaces de 3. Une boussole et un guide. Et je me déplace de 3. 1, 2, 3. Et on remplace le mec là. Ah, bon, moi je vais prendre lui. Tiens, je lui donne les 4 points. Je vais peut-être regretter, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Je prends une boussole. Ah, t'as pas pris le... Non, je l'ai pas pris. Ok. C'est intéressant. Je suis pas sûre. Attends, je me permets. Du coup... moi, qu'est-ce que... Bah, tu me le laisses, là? Bah oui, ta voix. Ta voix. Alors, le guide, j'en aurais pas besoin, du coup. Tu pourras pas le mettre, ouais. Lui. Et lui. Bon, je vais prendre quand même Robert McCormick. Parce que moi, ça me semble quand même fort, 4 points. 1, 2. Par contre, je vais avoir moins de tuiles animaux. J'ai déjà 2 personnages. Moi, je prends lui, j'avance de 1, et j'ai fait mes 4 machins. Là. Ah, elle a fait une ligne. Et vous avez vu comme elle m'a conseillé de prendre le reptile, machin. Moi, je partais pour faire la ligne de là, hein. Je t'ai conseillé de prendre le reptile parce que c'est le truc qui te fait scorer. Non. En plus, tu peux partir sur les boussoles, c'est le truc qui te fait un multiple. Enfin, ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Je t'ai fait prendre la seule carte qui est bien dans ton jeu. Non, c'est faux. Tu me mènes en bateau, comme d'habitude. Tiens, je vais prendre le zonur. Qui me fait des points, effectivement. Et qui me fait une carte. Wouhou ! Du coup, lui, il me rapporte déjà 3 points. Et du coup, t'avançais de 2. De 2, ouais. Moi, je vais prendre lui. Tu n'expliques rien de ce que tu fais. J'ai pris un faisan doré, qui est un oiseau qui vient de l'Asie, qui est en rouge. Mmh.
Parce que c'est le truc qui me fait scorer, c'est les oiseaux. Et depuis le départ, il y en avait un qu'elle a pris au départ. Pourquoi? On ne sait pas. Ah, je veux faire les boussoles. Ah oui, parce que je veux les boussoles. J'ai le droit d'essayer d'avoir une stratégie boussole. Moi, ce qui m'embête, c'est que... je vais prendre le ça, parce que ça ramène 2 points, quand même. L'araignée babouin. Et j'avance de 1. Typiquement. Oh là là. On s'en fout de ça. On a envie de recouvrir. Ah. Bon, bah, je vais faire ça. Coucou Rachou, j'ai trop aimé ce jeu qu'elle dit, mais moi aussi j'adore. Tiens, vas-y. J'ai pris une montre religieuse qui est dans la maison des coléoptères rouges. Il y a une ligne qui se dessine devant moi avec, avec encore un symbole comme ça. Moi, je vais prendre ça. On a déjà 6 trucs, hein, donc ça s'arrête dans 6, on a fait la moitié de la partie. Rien ne va. On a décidé de prendre aucun autre objectif. Bah, j'essaye, figure-toi, mais c'est pas si simple. Moi, j'essaye pas tant que ça parce que rien ne me va. Hein. Putain. Je m'en fous de ça, là. Ah, c'est le genre de jeu où c'est très simple et les choix sont tout simples, mais des fois, t'as quand même envie de 2 trucs ou 3 trucs différents. Je vais utiliser mon guide pour aller là. Je prends lui. Et je prends Darwin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, le condor, pas ça. Est-ce que si je recouvre ça, je la perds pas, ma boussole? Non, hein? Je sais pas. Non, je pense pas. Je veux vérifier parce que je suis sur une vidéo. Ouais, tu perds les points de victoire ou les cartes, mais... Je pense pas qu'on perde la boussole quand on recouvre... Vous n'avez pas à rendre ces éléments. Donc, c'est exactement ça le bon coup à faire. Absolument. Je vais prendre des boutons ça. Au départ, quoi. Pouf. Le condor des Andes vient recouvrir le toucan à Karen. Je déplace de 1. Et je vais récupérer, du coup, un nouveau... objectif. Un nouvel objectif. Et je vais prendre... J'hésite entre l'Afrique et le bas. Non, mais je vais aller là-dessus, je crois. Hop. Attends. Oui, bien. Oh. Ok. Très bien. Oui, bien. Ah, ça saoule. Puis c'est pas ouf si je fais ça. Je m'en fous de ça. J'ai pas de guide. Yo, en fait, c'est combien ça. De temps de jeu à deux? À deux, je pense deux, qu'on peut 3. Descendre à... Bah là, tu vois, on a on commencé... On est en train de le fumer, hein. En live, on a commencé, je pense qu'il c'était il y a 10 minutes. Non, et ça va très vite. Après, moi et Marjo, on est des joueuses rapides. Et Marjo est particulièrement impatiente. C'est-à-dire que si je prends 2 secondes pour un tout petit peu réfléchir mon coup, elle va me dire non, mais c'est bon. Mais quelle réfléchir? Il est 20h07, laisse-moi. Mais comment tu ne sais pas ce que tu veux faire? Ah bah non, moi j'ai besoin de réfléchir, je suis désolée. Hein. C'est un scandale. Ça peut te sembler facile à toi. C'est un scandale. Mais je te trouve un peu insultante. C'est quand même très méprisant de ta part. Il n'y a rien qui sort de ce que je veux, c'est épuisant. Bah tiens, je prends ça, je le mets là, et je récupère ça là. Ok, et un objectif en plus, non? Oui. Je vais me faire défoncer, les gars, je prends aucun objectif, je veux recouvrir rien du tout de ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je prends un objectif, ah bah je peux doubler ça. Bon, on va prendre ça, hein. J'aurai 2 fois le même. Est-ce qu'on peut avoir 2 fois le même? Il n'y a rien qui me... Hein, bah, alors... Je vais aller vérifier. Oh, pardon. C'est moi où il y a une bonne ambiance ce soir. Ah, franchement, moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Plusieurs théories. Donc... J'aime beaucoup vérifier que dans un livret de règles, quand j'ai une information que je cherche, je la trouve... En une c'est seconde. Extrêmement ouais. Bon signe en général. Dis-moi, t'as bougé le bateau ou pas? Non. T'as pris quelle tuile? Là où, je crois. On l'a remplacé. Je sais plus. Ou là. Je sais plus ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un a suivi ce que je viens de faire. C'est toi qui l'as remplacé. Non, elle était non, au milieu, c'est moi pas. Qui l'ai remplacé. 1, 2. Elle était au milieu.
Moi, j'ai pas le choix. Ah, oui. Merci, le Tinerone qui suit. Je prends un cassoir à casque. C'est toi, le cassoir. Peut-être. 1, 2 et 3. Ah, c'est pas ça que je voulais. On tient, hein. Moi, je voudrais bien finir ma ligne. Alors, je vais dépenser un guide pour avancer de 1 et aller chercher ce magnifique tégu commun. Je ne vais remettre que 3. Que je vais placer ici. Wouh, j'ai tous mes reptiles. Et j'ai une ligne, donc je fais une publication. Oh là 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 là, c'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10. Corde dessus. Et il fait un. Ah, il y a Darwin. Oh, Darwin, il permet quand même. Je ne peux pas le prendre. Je suis nulle. Bah, t'as été trop vite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai des bonnes infos. J'ai deux pousses. Et si je fais ça, que je prends ça. Je peux pas, je suis obligée de prendre un de ces trois, je peux pas prendre un au hasard sur le dessus. Si, je l'ai dit. Ah, je me rappelais pas, parce que ça, ça me fait pas tant. Écoutez, je vais faire ça, c'est peut-être une connerie. Je vais mettre comme ça. Mais, je récupère le dude. Le dude. 1, 2, 3. Et c'est là qu'on croyait que j'avais plié la partie. Je peux prendre un truc et je vais prendre celui à hasard. Ok, attention. Ah, bah ça m'arrange plutôt bien. Je fais un point par ours. Il se trouve que j'en ai 5. T'es vraiment gonflé, toi. T'es vraiment... La vie, tu sais, la vie... Des fois, la vie, elle en a rien à foutre de moi. J'avoue, là, c'est... Ouais, c'est la vie, écoutez. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors, lui, il vient là. Je m'en bats. Je pourrais choisir un autre. Celui-là. Ah, ici. Là, j'ai été un peu con, par contre. Parce que j'ai recouvert une map. J'ai été très, très con. C'est une carte une... Ah oui, ouais. Moi aussi, j'ai recouvert. Mais bon, j'avais besoin de... Mais j'avais pas le choix, surtout. Non, mais c'est pas simple, hein, c'est pas si simple. Enfin, c'est simple, c'est extrêmement simple, mais si on a envie de faire des gros scores, bah, faut réfléchir un minimum. Et moi, je crois que ce que je vais faire, c'est utiliser mon guide, ouais. Avancer de 1, chercher Darwin. Ok. Qui te permet de prendre un objectif en plus. Oui. Et un guide. Qui me permet de donc reprendre un guide et de prendre un objectif en plus. Et je vais prendre, je pense, lui. Je vais prendre un hasard aussi. Ouais, on n'a pas tous ta chance, hein. Je suis complètement d'accord. Alors, tu sais quoi, je vais le faire pour qu'on fasse la comparaison. Voilà, moi j'ai 2 points par publication. Bah, t'en as déjà... Bah, ça fait que ta publication, elle vaut 7 au lieu de 5. Mais oui, j'en ferai jamais 2. Ça ne veut rien dire. Ta publication, elle vaut 7 au lieu de 5. Bah, non, mais si. Elle, ma publication, elle, ça me vaut 2. Voilà. Mais oui, mais si t'en avais plus ouais, bien, ouais, bah, ouais. Si. Donc là, il faut se déplacer de 2. 1, 2, c'est ça? Ouais. Ça m'arrange pas. Non, ouais, c'est pas grave. Ah, pardon. Non, non, t'inquiète, Ça m'arrange pas, c'est pas ça que je voulais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, bah, 9, 10, 11. J'ai plus qu'une tuile à poser. Ah! Non! T'as plus qu'une tuile, donc moi j'en ai plus que 2. Et là, tout se joue là. Rien va m'aller. Mais si je fais ça. Et là, Pénélope quitte la pièce. Non, mais c'est vrai. Là, c'est fois 1. Tiens, Barik qui reprend ton. 0. Qui rit à gorge déployée en mettant « Oh tiens, il se trouve que j'en ai 5 !» C'est vraiment, mais... Oui. J'adore quand Marjo se met à vous voyer Pénélope. Tu me vous vois des fois ? Je sais pas, apparemment. Alors, sans la règle, c'est un peu obscur. Braddock, pour info, c'est vraiment à ton tour. Tu prends une tuile en face du petit bateau qui est là. Il y a un petit bateau qui fait le tour, c'est le Pickle. Et tu avances ensuite d'autant de cases autour de ces tuiles... que de la distance qui te sépare du Beagle. Par exemple, là... Je vais faire ça, ça a l'air aberrant, parce que je vais prendre un oiseau rouge, une grue du Japon, que je vais, du coup, recouvrir là. Donc, ça va m'enlever une map. Oui, mais enfin, ça paraît fou. Points. Sauf que, en fait, la map, là, en tant que telle, elle me rapporte 2 points. Là, si je fais ça, ce truc-là, entre ça et ça, ça me rapporte 4. Ben, bien sûr. Donc, c'est quand même malin. Ouais. Donc, je vais faire ça, ça me permet en plus de prendre... un truc en plus, et vraiment, pff, ça m'intéresse pas du tout.
Donc voilà, le principe de... Pardon. Franchement, c'est honteux cette chance que j'ai. Là, du coup, l'objectif que j'ai, c'est pour scorer les oiseaux, truc que j'avais déjà, donc je suis pas mal en oiseaux. Ouais, ça va. Tu me saoules. Elle me saoule. Non, là, j'avoue, c'est un peu honteux. Attends, 1, 2... Et donc, le principe, c'est qu'on récupère des tuiles animaux qu'on doit placer sur son plateau personnel, exactement là où le symbole le représente. On récupère le bonus et on essaye de remplir des objectifs qui nous permettent de marquer des points, de récupérer des boussoles qui scorent avec des cartes. Ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer rapidement. Mais voilà, en fait, en gros, tu récupères des tuiles, tu les poses et ton but, c'est de faire un maximum de points. Mais c'est très, très bien. Et 12, 1, 2, 3, 4, oui, 5, toi, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Là, c'est moi qui choisis 11. Ma dernière. Oh là 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 là, il nous en reste plus qu'une. Et là, elle va me foutre dans la merde. C'est surtout que moi, je voulais pile celle que je peux pas avoir. Ah si. T'as un guide. Je peux aller récupérer ça. Oui, non mais ça va. Ouh là là. Ouais, parce que moi, il y a deux trucs. Ouh là là. Je veux deux trucs et j'ai pas de guide. Et moi, c'est ça qui m'a buté ma partie. J'ai pas pris de gens avec des guides. J'ai pas pris de mecs là, d'ailleurs, vous voyez. Et les guides, c'est quand même bien pour choisir ce qu'on veut. Parce que là, y a en fait, tu vois, c'est con, mais là, je vais vous montrer un exemple type de ce que ce jeu apporte comme profondeur. Parce qu'on pourrait dire, c'est très simple, ça se joue très vite. Oui, c'est-à-dire que vous aurez plusieurs niveaux de jeu. Si vous n'êtes pas très joueur, vous allez y jouer très cool, très simplement, mettre les animaux dans les cases, corée. Quand vous commencez à être joueur, vous vous dites, vraiment, c'est ça le cheminement. Si je prends ce lézard qui me rapporte 2 et que je recouvre cette carte, parce que c'est le même symbole, qui me rapporte lui-même 2 points. Finalement, je ne perds pas de points. Mais ce lézard, il me fera 2 points en plus grâce à mes objectifs. Mmh. Et en plus, il me permet de recouvrir et donc de récupérer une nouvelle tuile. Donc au pire, faire 1 point. Qui me permettrait de faire 1 point par tuile dans cette colonne. Ouais. Donc 2 points. Au pire, 3. 3 points. Je crois que c'est par tuile dans cette colonne. Donc effectivement, ça serait 3 points. Donc là, je fais 4 points en plus. Ah ouais, c'est vachement bien. C'est déjà... Bah, tu fais 5 points au lieu de 2, quoi. Ouais, c'est attends, si je recouvre, je fais juste 2 au lieu de 2, et je fais un... Et je le fais 2 fois. Je rescore les... Tu fais 5 points au lieu de 2. Ouais, c'est ça, je fais 5 points au lieu de 2, ce qui est pas mal. Mais je pourrais aussi reculer de 1 pour aller chercher cette tuile, qui me permet d'être posée ici, et qui score 1 de plus sur cet objectif, et qui en plus a une carte, ce qui me permet de scorer ces 2 points. Donc ça faisait 3 points. Et en fait, quand on est bon à ce jeu... Enfin, pas quand on est bon, mais quand on commence à jouer à ce jeu, c'est ça que vous allez regarder. C'est-à-dire, c'est, bah, cette tuile me rapporterait tant, cette tuile me rapporterait tant, il faudrait que je recule, quel est le bon calcul, de quoi elle a besoin aussi? Est-ce que si je vois qu'elle a vraiment besoin d'une tuile dans son dernier coup, je vais faciliter la prise de sa tuile? Moi, en l'occurrence, je vais faire le coup que j'ai vu. C'est peut-être pas le meilleur truc, mais j'ai pas envie de faire durer des plombes. Mais c'est un jeu où on peut réfléchir finalement plus qu'on ne croit. Et en ça, l'occurrence, c'est le coup qui m'arrangeait pas, quoi. Voilà. Je sentais bien que ça l'arrangeait pas des masses. T'en savais rien du tout. C'est juste pas une bol. Ah, et je pioche au sommet de la pile. Alors ça, c'est le conseil de Rachou. Mais c'est ce qu'elle a fait tout à l'heure, mais moi, ça m'a pas réussi tant que ça. Moi, ça m'a vachement bien réussi, mais... Bah ouais, mais... Mais ceux-là, ils sont nuls. Enfin, celui-là, pour toi, il est pas si mal. Hein, celui-là, il me fait 3 points, quand même. Oui, il est pas si mal, il est pas si mal. Ça, c'est nul, mais ça, c'est 3 points. Sachant que la plupart, c'est 3-4 points, hein, donc 3 points, c'est pas mal, hein. Allez, je pense. Juste pour la blague, je vais piocher une au hasard et voir ce que ça m'aurait donné. C'est quoi? C'est bon, ça m'aurait fait 3 points aussi. Un parcours run. Ouais. Allez, okay. Fais-moi confiance, je le sens. Merci Louise Buena pour les bits de réconfort. Il nous envoie 500 bits pour nous réconforter parce qu'on est tout malade. C'est vraiment gentil. Donc voilà, moi ça m'arrange pas du tout parce qu'en fait moi je voulais soit le lézard rouge qui me permettait là de finir une ligne et donc de me rapporter 5 points. En plus ce lézard il faisait 2 points donc je gagnais 7, j'étais quand même bien contente. Il y a quand même des gens qui mais sont... Il y a Dolmore qui a dit honteux quand t'as pioché ta tuile. Soit, et puis ça, soit elle... En fait moi je voulais qu'elle prenne celui-là parce que ça déplaçait, bref. Mais du coup... sinon, il y a celui-là qui m'intéressait pour finir une ligne, mais je ne peux pas parce que j'ai pas de bordel. Et ben, du coup, je crois que je vais prendre ça parce que
Bon, ça me cache un point là, mais ça m'en fait deux, donc je gagne pareil, toujours moi un j'ai point. Des allergies. Et ça multiplie avec les oiseaux, donc c'est toujours intéressant. Mais c'est décevant, j'avais bien l'intention de faire une deuxième ligne colonne et j'ai pas réussi. Pour le coup, on a été vite, mais c'est un jeu qui est assez intéressant de décrire chacun de ses coups. Parce que quand tu prends une tuile, c'est pas du tout au hasard. Il n'y a pas du tout ce truc qu'on pourrait imaginer. Et c'est ça que je voulais démontrer. Alors, au départ, il y en a peut-être une ou deux que tu prends... Oui, au début, tu pars sur une stratégie. Et encore, même pas sûr, parce que... Enfin, bon. Donc là, on va faire le scoring. Vous voyez, c'est court. On a terminé la partie, on a 12 tuiles chacune. Donc, on aurait presque pu en faire deux, mais on n'en fera qu'une. Il est 20h19. j'espère que je vais la gagner. Temps de compter les points. Ah, c'est possible, hein. Non, je regrette juste qu'on on soit allé un peu vite au début de la partie. On était un peu en mode warrior. Mais non, moi j'étais en mode, vas-y, je suis chaud, on joue. Donc, Marjo et moi-même. Donc d'abord, le premier truc, c'est les points qu'on voit sur nos tuiles. Oh là là, non mais c'est mort. Ah, non, attends. Ah, j'ai oublié celle-là, attendez. 12. Moi aussi, 12. T'as vu ? Mmh. T'as vu ce que ça fait ? Quand on dit « Ah pardon, j'avais oublié », pardon. Ensuite, on a les maps multipliées par les boussoles. Ben, moi, j'ai 0 parce que j'ai pas de map. Et ouais, moi j'ai recouvert, mais bon, ça fait 2 fois 2, 4. Et t'as 0 ? Ouais. Pas de boussole. Ensuite, les publications qu'on a faites. On a chacune 5. Chacune 5. Ensuite, c'est tous les objectifs, donc... Aïe, 15. Alors, je remonte. 15, elle écrit 12. Ah, pardon. Déjà que je suis en train de perdre. 15, elle écrit 12. Alors, je rappelle, c'est juste... Moi, j'avais 2 lézards. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2. Ouais. 12. J'avais 1 point par zone ici. 12, 13, 14, 15, 16. 2 points là-haut. 17, 18. Et 1 point pour tout ce qui était en Amérique. Mmh. 19, 20. Faut dire, c'est 21. Normal. Hein. Elle a 5 objectifs, j'en ai 3. Ça me paraît logique qu'elle fasse plus de points. Et toi, vas-y, montre. Et alors, du coup, moi, j'ai. Chaque oiseau me rapporte 2 points, donc j'en ai 5, donc ça fait 10. Plus 1 point par ours, j'en ai 5, ça fait 15. C'était pas mal quand même. Bah ouais, un objectif de plus, et puis on. La couronne, c'est moi. Darwin ça fait 2, te fait 2 points, bah, je crois pas que ça suffise. Mais c'est sûr que ça ne suffit donc, pas. Donc ça fait 20, 20, 30, 32, 34. Si je dis pas de conneries, 15, 20. Ouais, c'est ça. 32, 4. Et moi, je fais 25, 30, 42. 100. Comment ça, c'est possible ? Je suis un peu dans les choux. Non, c'est pas possible. Regarde, bah, si. Entre 5 et 21, il y a 6 points de différence. Mais non, mais regarde. Plus là, 6 et 4, 10. Sauf que j'ai 2, tu devrais avoir 8 points de plus que moi. Bah c'est ça. C'est bon. J'ai donc gagné cette partie. J'avais pas fait de prédiction pour pas perdre de temps, mais c'est dommage parce que j'ai gagné cette partie. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les traces de Darwin. Exactement. Pour Pénélope qui râle et qui gagne, ça existe aussi. C'est vrai, ça existe moins, mais ça existe. Parce que salut Jérémy, parti Nico, j'espère que tu vas bien. Combien de tuiles recouvertes ? Moi j'en ai 3 des tuiles recouvertes et elle, moi, j'en ai 3 aussi. Et j'ai gagné une tuile supplémentaire grâce à Darwin. Donc c'est pour ça que j'ai 5 objectifs. Elle profitait de la faiblesse de Marjo pour gagner, quelle honte. Ouais, c'est vrai qu'elle est malade, donc voilà. La raison principale pour laquelle j'aime ce jeu, alors premièrement, je trouve ça très beau, je trouve ça très lisible, je trouve ça très simple à expliquer, très accessible et en même temps très agréable à mettre en place et très agréable à jouer, ce qui n'est pas toujours le cas pour des jeux comme ça. Mais moi, ce que j'aime vraiment et ce qui le met au-dessus de plein de jeux familiales en ce moment pour moi, moi c'est en train de devenir mon... Enfin, quand j'y ai joué, j'ai fait « Oh, waouh !» Pour moi, ça, je peux le sortir, on en fait une partie quand tu veux. Ouais, ouais, j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie d'y rejouer. Et vous voyez, à deux pas en live, en vrai, en 25 minutes, c'est... Exactement, c'est pour la raison que je vous ai dite, c'est que ce jeu
est simple, mais il a des niveaux de réflexion. Oui. Et qu'on a ce petit calcul de 7 tuiles me rapporterait tant. Mmh. Mais si je recule de 1 et que je vais chercher 7 tuiles, ça me rapporterait tant. Et... Alors par contre, comme tous les jeux comme ça, faut jouer avec des gens qui ont à peu près ton niveau. C'est-à-dire que c'est un jeu familial, mais si tu joues... toi, si tu fais 10 parties et après tu joues avec un enfant de 10 ans, c'est sûr que tu lui mets une race. Mais non, tu lui mets une race. Enfin, déjà, premièrement, avec un enfant de 10 ans, tu réfléchis pas pendant 2 heures et t'essayes d'être un. Moi, cette histoire. Oui, que absolument, Louise Bouina. Faut pas laisser gagner les enfants, faut leur apprendre à perdre, c'est vrai. Faut aussi pas tout donner comme un adulte en face des enfants pour que leur donner une chance de gagner de temps en temps et leur donner envie de rejouer. Mmh. Parce que ça sert à rien qu'un enfant perde toutes les 5 minutes. Mais. Je suis en train de me dire que j'ai recouvert 3 tuiles. Il est où mon dernier objectif? T'es pas sérieuse. Mais quand est-ce que j'en ai pas pris? Bah vas-y, prends-en. Hein. Non mais... Enfin, non mais prends-en. Non mais peu importe, c'est pas non, mais c'est juste que j'ai oublié. Oui, prends-en un. Non bah tu prends un au hasard ou un de façon... C'est comme tu veux. Mais non, je m'en fous. Si tu prends... je prends ça, je t'en fais 3. Ça fait non mais tu gagnes pas, mais prends-en un. Un autre, t'aurais pris un autre, ah, j'imagine. Peu importe. Ouais, franchement, de toute façon, je ferais pas plus que 3. Tiens, ça fait 1, c'est encore pire. Voilà. Donc, elle aurait fait 1. Pardon, excusez-moi, mais elle n'aurait pas gagné. De toute façon, ah faire bah, 8 on points... On a dit dans le chat, Marjo a pas pris son dernier objectif. Ah bah, on n'avait pas vu. C'était sur la dernière tuile, en fait. Oui. T'as pas pris ton objectif. Ouais, parce mais que j'ai pas fait ce que je voulais. Elle est un petit peu fatiguée, elle a pas... Non, mais en plus, je sais exactement, j'ai pas fait ce que je voulais, donc j'ai juste joué... Il y a quelque chose d'extrêmement agréable, un peu façon... Je sais pas pourquoi... La comparaison va être terrible. Mais tu sais, le fait de mettre le bon truc dans la bonne case. Mmh. Tu sais, comme au bingo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bingo! J'essuie exactement ce que je voulais, ouais. Je le mets dans la bonne case. Je trouve ça bien vu. Le fait d'avoir quand même un ordre. C'est-à-dire se dire, bah, y a des tuiles, c'est intéressant de les mettre en première et d'essayer de les recouvrir. Parce que, bah, par exemple, typiquement, les boussoles, une fois, ça c'était moins marrant. Mais les boussoles, elles n'ont aucun intérêt à rester sur le plateau, donc il faut les recouvrir. Donc miser un peu sur une stratégie de je mets des boussoles pour prendre des boussoles, puis je mets des cartes pour scorer ces boussoles, et j'essaye de recouvrir mes boussoles, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a quelque chose d'hyper satisfaisant, parce que tu construis quelque chose. Tu construis ta collection. Et t'es dans le « Ah, je vais faire un point là, je vais faire un point avec ça, je vais faire un point avec ci, je vais faire une ligne, je vais faire une colonne, je vais aussi faire des points là. » Ça va comboter les uns avec les autres. Mais alors ça, je suis d'accord. Parce que à ma première partie... Bon, alors moi, j'ai joué à Cannes, donc c'est toujours un truc un peu particulier de jouer à un festival. Et à ma première partie, j'avais trouvé ça un peu trop léger. Mm. Alors que là, je me suis pas fait cette réflexion-là. Il y a vraiment un potentiel, plus tu joues, plus tu en découvres. Bah, je pense que sincèrement, c'est un jeu, et si tu y joues trop vite, tu peux passer à côté. Ouais. Je sais que des gens vont passer à côté parce qu'ils vont prendre le jeu, ils vont faire juste paf, 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 et ils vont pas se dire, attends, si je mets cette tuile plutôt que cette tuile, le machin, et ça fait toute la différence. Il est, pour l'instant, il a eu une bonne critique... sur Board Game Geek et il s'en sort plutôt bien et il a eu une bonne critique des même outre-Atlantique de vidéos de youtubeurs. Autour de moi, il fait l'unanimité. Enfin, il y a des gens qui ont moins accroché que d'autres, mais dans ceux dont je crains le plus, on va dire, le jugement, et comme une Rachel qui peut des fois avoir des avis assez... assez fort et dire bah non mais ça en fait parfois Rachel on aime les jeux opposés, ouais, on n'a pas les mêmes coups de cœur. Là je crois que Rachel et moi on est tombés d'accord. Marie l'adore aussi, François l'adore, et monsieur François il c'est quoi le j'ai fait la même erreur. Ah oui, Barik, je le dis parce que c'était drôle, Barik a voulu jouer à ce jeu là Enfin, elle a entendu tout le monde dire du bien de Darwin. Et elle a vu Darwin's Journey au chalet d'un monde de jeu. Et elle a cru que c'était dessus, là, dont tout le monde parlait. Donc, elle y a joué au chalet. Et parce qu'il y a quelqu'un qui a fait la même erreur qu'Adi. Voilà, je crois que c'est ça aussi. Pareil avec Planet X et Planet Unknown. Hein, rien à voir, les gars. Effectivement, c'est pas du tout... voilà. Ça sera le jeu que ma nièce va surkiffer. Il est magnifique. Geeklet, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais je crois que Geeklet aussi. Geeklet qui est quand même pareil, hein, qui a pas... qui a quand même une bonne expertise en matière de jeu. Je crois qu'elle a beaucoup aimé, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vraiment un jeu
je crois qu'on peut y aller. Si vous, enfin, franchement, si vous êtes la cible, c'est les yeux fermés. Et ça va être un jeu, ce qui va avoir de bien, c'est qu'il va pouvoir réunir les gens qui aiment jouer aux jeux familiaux, mais aussi des gens qui aiment des jeux plus... Enfin, moi, je peux jouer et rejouer à ce jeu sans aucun problème. Ça se joue à 5, et je pense que 5, t'es encore pas dans du trop long. Donc c'est pas mal. Sur ce, eh ben, je vais remplir ma promesse et dire, Marjorie, t'as vu, il est 20h30. C'est magnifique. Tu vois ? Je suis très impressionnée. On a mis une heure, règle ouais. et partie comprise. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas mis ma note. J'ai mieux aimé que ma première partie. Ah oui, moi quand tu m'avais dit, ouais, enfin, elle avait fait une première partie pas convaincue, et je m'étais dit, mais elle a joué au même jeu que moi. En fait, j'étais pas convaincue, je me disais, ok, c'est mignon, mais fondamentalement, à Cannes, j'avais vraiment une impression juste de prendre une tuile et de la poser, tu vois. De jouer au bingo. Et... t'es là genre ok d'accord non, c'est sympa mais that's the bingo et je pense que c'est la seule chose qui va avoir un problème avec ce jeu, c'est que s'il y a personne pour expliquer un peu la finesse du truc, est-ce qu'on passe à côté? Oui, c'est une possibilité de passer à côté de ce jeu sans se rendre compte, mais normalement on s'en rend vite compte, c'est trop agréable. Ouais. Bonne soirée Rémi. Ce sera sur les traces des Darwin Awards. Et du coup, moi, je n'ai pas donné ma note, mais je sais que je suis généreuse en ce moment avec les notes. Alors, on a vu quand même qu'avec Autobahn, c'était possible encore que j'ai des grosses déceptions en direct, parce qu'à Autobahn, je lui ai mis 6, je crois, mais c'était vraiment dur, le choc des... Enfin, vraiment. Donc, ça m'a... Voilà, c'est encore possible que je sois déçue en live, mais on me donne de plus en plus la possibilité de jouer à des bons jeux en live, et j'ai beaucoup plus de jeux, donc je choisis aussi, donc maintenant. Mais ça, pour moi, en matière de jeu familial, on est sur un 9 sur 10. Ouais, je suis assez d'accord. Easy. 8,5, c'est pas mal, sûr. Hein. Non, moi je suis sur 9. Il y a Rachou qui dit je le défendrai bec et on... Moi, je lui mets 4 à Autobahn. J'arrive pas à lui mettre moins de 6 tellement il y a de travail sur un jeu comme ça. Tu vois ce que je veux dire, Rachou? Ça me brise le cœur de me dire... Et puis, dans combien de jeux tu livres des machines à laver? 1. Ouais, non mais... Je comprends... C'est un faux argument. Ton 4, c'est je le comprends. Si tu vas voir la fin de ma vidéo, je lâche l'affaire. Je fais même pas le scoring. Mais c'est... Ça me fait mal au cœur sur des jeux comme ça où il y a tellement de travail et où on sent que c'est pas allé assez loin dans l'épure, en fait. On a voulu en faire trop. Voilà. Moi j'ai pas joué à Cascadia. Alors, et puis c'est surtout que là on fait plein de name dropping, donc on vient de dire le bingo, là on parle de Pathogène, on parle de Autobahn, lequel est à comparer avec Cascadia? Mais Encyclopédia, alors moi j'ai pas aimé Encyclopédia, mais c'est très différent dans le sens où là on a un jeu qui est complètement familial, hyper accessible, et Encyclopédia est vraiment initié plus. C'est un jeu initié, quoi. C'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de choses à apprendre. Ça, c'est vraiment, ça s'explique en 5 minutes, ça se joue en une demi-heure. Enfin, c'est un jeu que vous allez mettre sur toutes les tables cet été. C'est moins par rapport à un Acropolis, parce que j'entends la comparaison du jeu familial, tu sais, de l'année un peu. Ben, Acropolis, vous pouvez y jouer n'importe où. Et il y a une espèce de répétitivité, de rejouabilité infinie dans Acropolis. Le seul petit bémol, c'est. La seule donnée que je ne sais pas sur les traces de Darwin, sur celui-là, c'est est-ce qu'il a une très grande rejouabilité, ou est-ce qu'à un moment, t'es là, genre... C'est bon, j'ai... Bah, mais je pense que... Je pense que oui, parce que ça dépend déjà avec qui tu joues. Moi, je pense qu'il a quand même une belle durée de vie avant de s'enlacer. Et voilà, il n'est pas jouable n'importe où, parce qu'il a des petites... Il y a quand même des plateaux, il faut un peu plus de place. Je pense qu'il est un peu plus impressionnant à aborder que Acropolis pour des gens qui ne jouent pas du tout. Tout à fait. Acropolis, tu peux vraiment faire jouer À tort, ta tante. Parce que vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de règles, mais rien que de mettre en place, la personne, elle se dit, là, attends, il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, mais c'est moins accessible. On va plutôt faire une bataille. C'est moins accessible, mais c'est un très bon, justement, et après, c'est aussi un point fort de ce jeu, c'est que il ne réinvente rien, mais déjà, il englobe plusieurs mécaniques de façon tout à fait... homogène et harmonieuse, et il permet
de comprendre plein de genres de mécaniques pour des gens qui sont assez peu joueurs. Mm-hmm. Le tableau building, le fait de comboter, les objectifs. Il y a plein de petites choses, plein de petits trucs qui après deviennent des réflexes dans d'autres jeux qu'on apprend dans un jeu comme ça. Donc ça, c'est le bon côté que j'aime bien. Et Barik nous dit, je crois que je préfère ça à Acropolis, carrément. Donc là, c'est vous dire. Mais Barik, finalement, tu y avais joué, je savais plus, et j'avais la rejouabilité, c'est aussi l'envie toute simple d'y rejouer sans forcément être surpris à chaque partie ou découvrir un nouveau truc à chaque partie. Oui, complètement. Ça, c'est hyper vrai. Barik, très bonne phrase. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de rejouabilité en mode, est-ce qu'on aura des nouvelles surprises et tout. Et c'est vrai que la vraie rejouabilité, c'est celle qui fait que même si le jeu, tu redécouvres rien, t'as quand même envie d'y rejouer. Et ça, ce jeu-là, il le remplit complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai fini une partie, j'ai envie d'y rejouer tout de suite. Ouais. Et j'ai envie d'y faire jouer plein de gens. Et ça, c'est un jeu que je vais rejouer et qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc, moi, je garde mon 9, qui oscille entre 8,5 et 9. Parce que j'ai du mal à... j'ai que deux parties et sur un petit jeu comme ça, j'ai l'impression qu'il faut avoir fait plusieurs parties pour dire est-ce que c'est un jeu qui va me durer dans par le temps contre, ou est-ce que je me rends compte que c'est pas compliqué d'en faire plein quoi. Non, et puis ça ira tout seul. Extrêmement facile à sortir. Ça a l'air moins froid qu'Acropolis niveau intégration thématique. Je suis pas d'accord sur le froid d'Acropolis. Il y a beaucoup de gens qui trouvent Acropolis très froid. Moi, je la ressens, la thématique dans Acropolis. Ouais. Je me sens en train de construire ma ville et je vois le pourquoi du comment. Les marchands doivent pas être côte à côte et les gardes doivent être sur les bords de la ville. Et donc, moi, je me la raconte, mon histoire. Ici, je me raconte pas plus une histoire. Je suis pas en train de lire une encyclopédie. Je suis pas en train de voyager et d'aller chercher des animaux. Vraiment, non. Par contre, il y a des chouettes illustrations et il y a un chouette appendice avec plein d'explications donc sur tous les animaux, sur le voyage, sur tout ça. Donc ça, c'est vraiment tip top. Et ça c'est ce qui fait que le jeu est à 9. En fait, c'est vraiment un jeu où il y a, au point de vue production, c'est impeccable. Ouais, il y a rien à dire. Et au niveau du jeu, c'est quand même assez exemplaire. C'est un petit bijou dans un écrin qui va faire sans doute effectivement fureur cet été et fureur cette année. Barik, pendant ce temps, construit une pyramide en carton pour son proto et elle sent qu'elle en fait trop alors que j'ai rien d'autre comme idée que cette pyramide. Et elle a envie partager. Barik, il faut bien commencer quelque part. Tout à fait. Et on aime bien cet horaire et on va pouvoir aller manger notre salade et regarder notre film et se coucher tôt. Ce week-end, pas de live, je suis profondément désolée, mais je suis en résidence musicale. C'est parmi les choses qui compliquent le mois de mai. Mais il y a des concerts à la rentrée, enfin il y a des concerts, pardon, il va y avoir des concerts. Le 13 juin, je suis en concert à Main-d'œuvre, c'est pas loin de Paris. Il vous suffit de taper Main-d'œuvre Saint-Ouen ou Main-d'œuvre Paris dans votre Google pour tomber sur l'adresse. Et nous sommes en concert le mardi 13 juin. Tu vois, par exemple, là, on fait de la pub pour Google. Si on appelait Google, peut-être qu'il nous rémunérerait. On verrait. Un petit bandeau Google, là, pendant les 5 minutes. Ça l'intéresse vachement, Google, mes 82 spectateurs. Bah, attends, on sait pas. Tout est bon à prendre. Et donc, le 13 juin, je serai en concert sur Paris. Le 7 juillet, je serai en concert dans le nord de la France. Et à l'échelle... Et ces deux concerts, à Main-d'œuvre, il y a peut-être un petit paf d'entrée, à l'échelle, c'est gratuit, c'est en plein air avec des saucisses et de la frite. Et ouais, bières. C'est dans le nord, vraiment, c'est hyper sympa. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir parce que c'est vraiment chouette. Et c'est un petit bled assez foot qui est très vivant alors qu'il est minuscule, il est magnifique. Et le 11 juillet, je serai en concert sur une scène de 5000 personnes au Festival de Poupée, en première partie de Louise Attaque et Blancas le 11 juillet. Et donc, on se prépare pour ça. Donc, je pars un week-end plein. Comment vous dire qu'ils sont pas prêts? Non, on n'est pas prêts. On a deux week-ends de résidence pour ça, plus des concerts, justement, de préparation et quelques répètes. Donc, on va essayer d'être au taquet. Autant vous dire que j'ai la pétoche grave. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à... pas ce week-end, du coup. Je vous dis à lundi. Lundi, 17h ou 16h. Je sais plus l'heure, mais dans ces eaux-là. Je reçois sur ma chaîne Corentin Lebras et Johan Goupy pour jouer à Elawa en exclusivité sur Board Game Arena en direct sur la chaîne avec Yann, avec peut-être un invité surprise, mais j'attends encore sa réponse et je ne voulais pas vous spoiler d'avance.
Et après, il y aura le live le soir des retours de jeu. Oui, ça tombe mal, mais on pouvait pas caler ça à un autre moment. Je verrai si je mets le live des retours le mardi soir ou le mercredi, ou si je le fais le même jour, je ne sais pas. J'essaye de faire en sorte de tout caler, c'est pas simple. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous aime fort, je regarde s'il y a quelqu'un chez qui faire un raid. Donc il faut que j'allume mon Twitch. Ah, je ne suis pas inscrite, donc je ne vois pas qui est en live que je connais. Si vous avez une suggestion à me faire, je la prends. Je la prends maintenant. Et ben non, il n'y a personne qui me... Entre joueurs, et ben voilà, je vous emmène chez Entre joueurs. Entre joueurs, ils sont très bien. Entre joueurs, je sais plus. Ah, par contre, ça s'écrit avec un S ou sans S. Ah, il y a Je découvre. Bon, allez, je vous envoie chez Entre joueurs. Avec et tout accroché, je vous envoie chez Entre joueurs. En espérant que j'ai réussi mon coup. Vous leur faites des bisous de ma part et... Et on se retrouve vite. Très vite. Allez, tchou, tchou, tchou. Et merci pour votre soutien. Et un dernier petit bisou avant que je raccroche, parce que quand même, on perd pas les bonnes habitudes. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Merci, Plume Bavarde, pour les 400 bits.